pour les secondes mi-temps du match avec club Dragon Tavine. Voilà, vous avez l'antenne. Donc cette affiche, hein, cette belle affiche entre l'AS Dragon Bilima et l'AS V-Club. 0-0 entre les deux formations. V-Club parviendra-t-il en tout cas à marquer un seul but pour enchaîner sa série de victoires dans le cadre du championnat national face à la formation de l'AS Dragon Bilima qui en tout cas a proposé une lutte à cette formation des V-Club dans le cadre de la première partie. Est-ce que V-Club est à mesure? Est-ce que V-Club en a les cartouches? Peut-être oui, parce que pour l'instant déjà, Gullit, déjà hein, les deux cartouches de la formation des V-Club viennent de rejoindre les autres acteurs sur la pelouse. Et oui, Fabrice Andra, Francis Kazadika Sengou, c'est buteur patenté de l'AS V-Club, actuellement meilleur buteur du championnat, vient donc de rejoindre ses coéquipiers avec comme leitmotiv justement trouver ces mythiques buts totalement recherchés depuis le début de cette rencontre. Il n'y a pas que Francis Kazadi, il y a également hein, le capitaine Nelson Munganga qui vient lui aussi de rejoindre ses partenaires. Deux changements en ces débuts de deuxième période. Calme, calme. La preuve que pour l'instant, les Moscovites sont à la recherche de cette victoire, mais surtout d'abord ce but, la mauvaise passe de Francis Kazadi, le buteur de la formation des V-Club qui a réalisé au moins 11 buts. En tout cas, loin, loin, loin devant Jean-Marc Makoussou Mundele, qui lui en a simplement 6. Il n'est pas simplement buteur en championnat, mais il est aussi buteur en Ligue des Champions pour avoir au moins aussi réalisé 3 buts. Voilà, c'est déjà exhaustif pour un garçon qui revient dans le club. C'est intéressant, la frappe de Zakaria Moumouni en première intention, mais il se loupe. Le dégagement. Et un long dégagement, le voici hein, finalement. Savio au duel. La faute de Savio Kabougo. Et voilà, le premier carton. Le premier carton de Savio. Savio Kabougo, l'Ougandais. Le premier carton également dans le camp de V-Club parce que voilà, le banc de Bilima se plaignait du fait qu'il n'y avait pas de carton. L'arbitre a peut-être compris le message. Hein. Oui, l'arbitre a compris le message. Mais est-ce que cette matière, il y a raison de comprendre? Il faut qu'il y ait faute, il faut qu'il y ait intention. Hein, voilà, il faut qu'il y ait une faute. Mais aussi, il faudra équilibrer. Quand on a déjà donné des biscottes côté de l'AS Dragon, il faudra aussi équilibrer. Allez, je me pose la question. Question d'apaiser les tensions. Savio Kabougo, l'Ougandais, hein, qui voulait échanger quelques paroles avec M. Nzunzi, l'arbitre. C'est un Ougandais. En Ouganda, on parle aussi Swahili. Ah oui. On parle plus anglais que Swahili. Je me demande d'y parler quelle langue. Voilà. En se plaignant. Allez, Bukasa Lutete. Qui va chercher le centre au premier poteau. Pas de danger. Hein. Gerson Lunanga qui dégage. La tête bien millimétrée de la part de Tchenge Bouembia, le capitaine. Allez, Kosobola. On parlait de Francis Kazadi, hein, ce jeune qui a le sens des buts innés. Depuis l'Académie Club Rangers, il a terminé la saison avant de rejoindre l'AS V-Club en tant que buteur. Il a rejoint le Daring Club Motema Pembe avec ses statuts de buteur aux côtés de Jean-Marc Mundele. Et donc le duo avait fait mal à l'AS V-Club. Qui l'a traîné, qui l'a complètement chargé son revolver, Zakaria Moumouni, mais voilà, il n'a pas appuyé sur la détente. Allez, Bukasa Lutete, pour personne, encore une incompréhension qui ne favorise pas la progression de l'AS Dragon. Les transmissions qui ne sont pas heureuses. Monsieur Nzinga est obligé de faire le 100 mètres pour aller prendre l'information, notamment sur Omolé Zeké, où c'est Omolé justement qui s'est fait mal. Et il faudra absolument se rendre compte si... Si tout va bien ou pas. On a senti les intentions de Jean-François Ibenga à l'entame de cette seconde partie de la rencontre. En tout cas, justement faire bouger sa gibecière pour
gagner le duel au milieu du terrain en faisant monter Nelson Mungango au milieu du terrain, Francis Kazadi également pour pouvoir déstabiliser un peu la défense de l'Est Dragon. Il faudra aller jusqu'au bout, il faudra être jusqu'au boutiste cet après-midi pour aller chercher cette victoire, parce que il y a une équipe de l'Est Dragon Bilima, une équipe de Bilima qui se veut, voilà, on va dire, historique, parce que les habits que Bilima porte cet après-midi, ce sont des habits du genre à nous rappeler un peu la vieille histoire de l'AS Dragon Bilima. L'AS Dragon Bilima qui a inscrit son nom de manière, on va dire, particulière dans les annales du football en République démocratique du Congo. Et cet après-midi, quand on regarde la performance de V-Club cette saison, en Ligue des Champions comme en championnat, et surtout en championnat, on ne s'attendait pas d'un nul ou d'un 0-0. Et voilà, ces supporters de l'AS Dragon Bilima en rouge. Et il y a quand même quelques... Voilà, c'est très bien, la réalisation venue de nous proposer des très belles images. La danse, voilà, il faudrait que cette danse aille jusqu'à la fin. Oui, vous l'avez dit, il faut qu'un caractère jusqu'au boutiste se conjugue cet après-midi. Mais côté V-Club, il y a un public attentiste qui n'accompagne pas les efforts de joueurs qui jusque-là subissent un sévice corporel énorme. La plainte de tous les jours de Florent Ibengue qui dit on a besoin d'un public. Jusqu'ici, en RDC, on n'a pas de public. Le public n'est là que pour célébrer les buts. Alors que il faut une chaleur énorme, il faut une chaleur... suffocante, voilà, pour permettre au groupe et à son équipe de faire des choses incroyables sur la pelouse. Et surtout quand son équipe ou son club a besoin d'une remontada, voilà, on ne va pas attendre simplement pour célébrer, mais il faut être là, il faut accompagner l'équipe. Zakaria Moumouni, ce dribble, ce pied de... ce pied de Oteille qui a traîné. Un troisième carton jaune. Troisième carton jaune, alors que du côté de V-Club, il n'y en a qu'un seul. La preuve, c'est que l'AS Dragon Bilima commet plus de fautes. Plus de fautes. Allez, il ne faut pas en commettre encore. Apparemment, Adede Moké avait donc décidé d'évoluer avec une certaine agressivité. Pour ne pas permettre à l'AS V-Club de déployer son jeu cet après-midi. Quand on connaît également le style de jeu de V-Club, il faut être agressif pour ne pas lui permettre de jouer la claquette. En tout cas, le point ferme de Moulumba pour sortir le danger, c'est bien fait de la part du gardien. Il est aussi jusqu'ici... Le meilleur est irréprochable pour l'instant du côté de l'AS Dragon Bilima. Une parade intéressante en première période. Et déjà en ce début de seconde période, une claquette. Voilà, tout ça dans son actif. Il permet à l'AS Dragon Bilima de rester, on va dire, encore en vie jusqu'ici. Oui. Et il s'illustre un dernier rempart pour empêcher le ballon de toucher les fonds de filet. Francis Kazadi en première intention. La glissade de Kosobola. Cette glissade, en tout cas, qui laisse Francis Kazadi, plutôt Fabrice Luamba, sur sa soif. Alors que ce ballon était destiné à Fabrice Luamba pour aller faire le dernier geste. Francis Kazadi décalé un peu sur les côtés, justement pour servir César Manzoki. Des passeurs. Voilà, décalé sur un côté, voilà. C'est beaucoup plus un joueur qui joue sur un côté. Et si Florent Ibengue a préféré laisser Manzoki, c'est parce que Manzoki, c'est un avant-centre. Il peut également jouer sur un côté, mais autant jouer avec Francis Kazadi sur un côté et Manzoki en pointe d'attaque. Mais Francis Kazadi avait bien joué la partition lors de la confrontation contre Saint-Gabalindi. Voilà, c'est un joueur qui est, on va dire, polyvalent. Ça lui profite, il y a également le côté buteur et ça lui permet d'être, on va dire, poignant quand il est devant le but. Et c'est déjà ça qui lui permet d'être autant titulaire à chaque instant. Nelson Munganga, le centre, l'interception du capitaine Tchengue, le dégagement. Ah, on ne se pose pas la question quand on a défendu dans les camps des Dragons. Et on ne laisse pas d'espace.
un engagement sévère, un marquage à la culotte. En tout cas, on sent les intentions de l'Est Dragon. N'est pas très ridicule. Et pour l'instant, c'est Omoyé qui est seul en attaque. Bukassa Loutété, tout le monde, tout le groupe est quand même replié. Et ça ne permet pas la formation, hein, vous le voyez. C'est simplement Omoyé qui est derrière, devant plutôt. Et ces bus-là ne bougent pas du but. Voilà, hein, ce bus me fait penser finalement à l'Atlético Madrid. Quand vous avez deux lignes des quatre, en tout cas, il faut avoir des joueurs suffisamment intelligents, suffisamment techniques aussi, parce qu'il faut trouver la faille, il faut trouver le trou de l'aiguille. Et pour l'instant, les Dragon Bilima fonctionne assez bien. On le voit, hein, que Adede Moké a placé son groupe ou son effectif cet après-midi avec l'intention d'abord de fermer la boutique et ne pas permettre à la formation des V-Clubs de trouver des failles. La partie s'arrête momentanément. Kosobola, visiblement, il va devoir laisser ses partenaires parce que plus d'une fois, il tombe. Il était déjà touché, hein, lors de la première période. Et il va falloir finalement une solution parce que il va interrompre de temps à autre la rencontre comme ça. C'est aussi des signes de fatigue. Des signes il de a fatigue. Beaucoup donné. Et si c'était stratégique, parce que quand on joue un gros cador comme ça, on a toujours besoin de casser les rythmes. C'est bien fait. C'est un bon ballon de Mouita Payi. C'était un bon ballon, hein, de Mouita Payi en direction de Mukinzi. Mais rattrapé par le juge de ligne. Allez, on a déjà joué plus de 10 minutes dans cette seconde période. Si vous nous rejoignez à l'instant sur l'ensemble des télévisions partenaires de la Ligue Nationale de Football, dans le cadre de cette affiche entre l'AS Dragon Bilima et l'AS V Club, encore un carton, un quatrième, cette fois pour Mukinzi. En tout cas, un carton rouge se dessine. Un carton rouge se dessine petit à petit. Et ça gronde dans les gradins à Dragomen. Voilà, ça a raison de gronder, mais il faudra rester aussi serein, il faudra rester calme, il ne faudrait pas s'affoler. Parce que, on le sait, le fond de jeu pour l'instant de l'AS Dragon Bilima, c'est défendre et défendre avec plus d'agressivité. Alors que cette formation des Dragon Bilima a plus de cartons. Et quand on défend avec l'agressivité, la conséquence c'est qu'on peut couper d'un carton. Et déjà il y en a quatre et c'est facile. Que l'on ait deux cartons. Encore une autre faute. Et cette fois, la faute de Mukinzi qui ne s'est pas encore calmé. Et Mouita Payi le calme. Il lui demande de se calmer. Il le rappelle à l'ordre. C'est important. Hein, c'est important si l'équipe de Dragon a besoin de réaliser un résultat élogieux et laborieux à la fois contre V-Club. Faut quand même rester serein et calme. Faudrait pas s'affoler. Hein. Il manque un certain Rossin, hein, capable aussi de se faufiler dans de différents couloirs pour pouvoir aussi glisser de ballon. Il est absent cet après-midi. Mais avec un Rossin Tuissila dans les couloirs, je crois qu'on aurait beaucoup de fautes. Hein, parce que lui également, c'est un joueur qui sait jouer en un contre un joueur qui a mesure de venir vers vous, obliger à commettre la faute. Attention. L'arbitre. Il y a des joueurs également dans l'axe central là, en train de se chamailler. La tension monte d'un cran. La réalisation nous propose également. Hein, c'est quelques accrochages, notamment de Wango. Voilà, ça bouge de partout. Et voilà, hein, j'étais en train de le dire, il faut se calmer. Il faut se calmer parce que pour l'instant, ils sont en train de réaliser quelque chose d'assez bien. D'assez, on va dire, pas extraordinaire, mais de très. C'est très bien contre V-Club. Jusqu'ici, V-Club n'arrive pas à marquer ses buts. Ça fait également quelque chose de trop sur un carton pour Tchengue, un autre carton pour Wango. 5 dans le camp de l'AS Dragon Bilima et un autre carton dans le camp de V-Club. Ça va faire 2 cartons côté Moscovite et 5 autres du côté de l'AS Dragon Bilima. Et la beauté, c'est que même dans les camps de l'AS Dragon Bilima, il n'y a personne pour calmer le groupe. Il n'y a personne pour jouer les leaders. Par moment, même le leader lui-même ou le capitaine est rattrapé par l'arbitre pour récupérer, pour recevoir un carton. Donc, on va suivre ce
coup franc de Matoka, travaillé dans le paquet, la tête, Francis Kazadi, la claquette! La claquette de Moulumba! Kazadi, un véritable renard de surface, il est presque dans tout le mouvement. Oh là là, c'était bien fait! Il est allé finalement, comme un chat, vraiment, hein, ce Moulumba pour aller toucher ce ballon et permettre à l'AS Dragon de contenir la formation de V-Club. C'était bien fait de la part de Kazadi, mais aussi de la part de Moulumba. Corner encore, cette fois-là, pas très bien travaillé. Encore un autre corner. Pour l'instant, l'Association Sportive Victoria Club décide de rester dans la moitié de terrain de Dragon. Le corner au premier poteau, pas très bien travaillé, hein, de la part de Zakaria Moumouni. Jouer hein, deux corners ou trois corners à la fois, il faut avoir les jambes. Allez, la touche. Hein. Matoka. Linga, le centre qui décale à gauche. Fabrice Luamba. Luamba qui va travailler le centre, la tête, l'amorti, la poitrine du capitaine pour Francis Kazadi. Et la tête de Kosobola. Une autre tête pour Mukindi, non. Allez, le dégagement de Kosobola, cette fois pour permettre au monstre de sortir. Allez, le dégagement de Wango. Wango, visiblement, qui est en colère. Hein, parce que ce genre de dégagement, oui, ça prouve que mentalement, on n'est plus à point. Le Dragon, on dira pour l'instant, a bien joué sa carte. Il faudra provoquer le joueur de l'ASV Club et justement l'amener à l'énervement. Wakabo Fataka. Et le banc de Dragon Bilima est debout. On réclame quelque chose, mais alors que jusqu'ici, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Certainement, le dégagement de Wango, c'est un dégagement, on va dire, qui rime avec la colère. Mais il n'a pas touché un seul instant. Et la désolation de Florent Ibengue qui n'est pas content, hein, qui n'est pas satisfait. Je l'ai vu locher la tête au moment où Wango a dégagé ce ballon. Il s'est dit, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Faudra, quand on joue dans un club comme celui de la Science Sportive Victoria Club, faut avoir les nerfs solides. Les nerfs solides. Et surtout que cet après-midi, le maître Aymon, c'était donc de gagner. En cas d'une victoire, l'ASV Club prendra provisoirement la tête du classement. L'ASV Club qui a actuellement 50 points en 19 sorties. Eh bien, en cas d'une victoire, l'ASV Club aura donc, attention, dégagement de points. Allez, Wango, hein. Wango qui est obligé hein, d'aider hein, l'Association Sportive Victoria Club à atteindre ses objectifs. Ah, vous le disiez qu'en cas de victoire, hein, puisque l'équipe de Tupi Mazembe a des matchs en moins. Et donc, la logique ici, c'est de gagner et d'essayer de mettre mal à l'aise hein, le leader. Encore une faute hein, dans la surface. Et ceci va même éreinter un tout petit peu la beauté de cette affiche. Parce que plus la rencontre s'arrête, plus... Voilà, la partie perd également de son intensité parce que voilà, dans cette seconde période, étant donné qu'il y a 0-0, il faut monter en intensité, il faut exploser. Mais s'il y a beaucoup d'arrêts comme ça, voilà, ça va effréter un tout petit peu la beauté de ce spectacle. Moi, je crois que c'est une opportunité pour Jean-Florent Ibengue parce que Dragon, cet après-midi, sert de sparring partner valable puisque dans le tout prochain jour, le club va jouer une équipe maghrébine. En tout cas, c'est dans le même rythme que le maghrébin évolue. Allez, Francis Kazadi, hein, pour débloquer Tchengue qui fait remonter en tout cas son groupe. Allez, on le voit. Hein. Les monstres qui ne sont pas pressés, même quand ils ont dégagé le ballon, quand ils ont dégagé le camp, ne sont pas pressés de repartir. On revoit encore cette ligne. Hein. Le centre, la tête de Matoka. Il peut s'avérer comme le buteur. Il peut. Voilà, on le disait, c'est un ancien de l'AS Dragon, Bilima. Et si lui peut marquer, je crois que ça fera une émotion de trop, un sentiment de trop. Parce que Kazadi s'est propulsé un peu dans l'axe, lui laissant le couloir. Ben, il peut aussi saisir une opportunité, pourquoi pas marquer le but. Allez, Matoka, encore lui, de la tête. La réponse de Oteye.
Allez, Omwele, peut-être, Omwele lui, dans la surface, c'est bien fait, le petit dribble, la frappe. Le ballon qui est intercepté, encore lui, Omwele, à la retombée, Omwele du pied gauche, il va se compliquer la tâche. Mais, et quand la même, mais quand même, il donne du fil à retordre à la défense de l'Hetzel Club. Quand bien même essayez-le. Voilà, mais il avait encore plus de solutions, certainement pour jouer avec ses coéquipiers. Et le public hein, qui gronde un tout petit peu, au lieu qui monte la voix, qui monte le ton, cette fois contre l'arbitre, M. Ndinga, parce qu'il y a un ballon que l'on devait retourner avec beaucoup plus de sportivité, mais on a préféré laisser ce ballon couler. Et ceci ne permet pas à ce que l'ASV Club puisse reprendre son jeu rapidement. La faute de Mouita Pahi, ce genre de faute dans la moitié de terrain de son adversaire, c'est pour voilà, couper cette progression. C'est bien fait, ce sont des fautes intelligentes. Et ce genre de fautes, on n'obtient pas facilement des cartons. Attention, le centre dans le paquet. Mandzuki qui est trop court. Mouipata également qui fait un grand travail cet après-midi au milieu du terrain de l'AS Dragon. Il est presque dans tous les ballons, dans le duel aérien. Il est là et en tout cas, il a compris le consigne de son entraîneur, empêcher l'ASV Club de pouvoir manier le cuir, surtout dans le rond central. Voilà, eux, ils ont la mission. C'est Mouipata, Songo Zindo, Wakabo Fataka, eux qui jouent dans le milieu de terrain. Ils ont compris hein, qu'il fallait absolument mettre en place les consignes données par Adede Moké, celle de pouvoir bloquer impérativement la machine, surtout dans le milieu de terrain de l'ASV Club, composé de Bindanda qui est sorti, plutôt hein, Fabrice Luamba, Moukoko Tonombe, bloqué Zakaria Moumouni, pourquoi pas, ne pas permettre à cette machine d'avancer. Claudine Gonda, il y va, il avance. Il l'a fait comme ça face à Sangabalende pour marquer. Allez, Matoka, pour ce geste, la frappe du pied gauche. La frappe, l'interception. En deux temps, c'est parfait, c'est magnifique de la part de ces garçons. Exceptionnel. Exceptionnel, Moulumba qui nous regarde et qui permet à la formation des Dragons Bilima de rester en vie. C'est bien fait, mais cette frappe qui est allumée par Matoka, l'ancien de l'AS Dragon Bilima, on le disait, qui n'était pas loin de l'ouverture du score face à son ancienne équipe. Et cette perle rare fait également le bonheur de Moscovite, surtout par ce geste feinte et puis une frappe enchaînée. En tout cas, c'était magnifique et il est applaudi par son entraîneur Jean-Florent Ibingué. Allez, Matoka qu'on va surveiller, mais en attendant, il y a également un garçon qui nous regarde cet après-midi, c'est Moulumba, le portier de l'AS Dragon Bilima qui est resté au sol. On verra s'il y a eu télescopage entre lui et Francis Kazadi. Mais il a été, on va dire, impérial. Cette frappe, en tout cas, il est allé à l'horizontale pour stopper en deux temps. Il s'est relevé également. Quel réflexe pour stopper le ballon touché par Francis Kazadi. C'est bien fait de la part de Moulumba. Allez, s'il peut poursuivre la partie, je crois que ça nous fera du bien. Et si vous nous rejoignez, à l'instant sur l'ensemble des télévisions partenaires, plus de 23 minutes dans cette seconde période. Et la tâche, elle s'annonce encore une fois difficile. L'équation, on va dire, elle va être plus que mathématique pour les Moscovites. Aller trouver la faille. Et le premier changement du côté de l'AS Dragon Bilima. La montée de Mbali Mamondo en lieu et place de Bukasa Lutete qui est blessé, qui s'est fait mal hein, en ce début de seconde période. Un premier changement, certainement du poste pour poste. Francis Kazadi, il attend du soutien. Il n'aura pas Kosobola pour porter ce ballon. Cette fois de la verticalité dans la moitié de terrain de la SV Club. Ça va répartir, c'est bien fait de la part de Zouzi Makiesse. Qui tempère, Zouzi, il est passé certainement le centre à venir de Zouzi au premier poteau. Ouh là là, Savio Kabugo, le pied qui a traîné, un corner. L'AS Dragon qui propose également hein, quelque chose après avoir subi dans son camp. Et surtout qu'Adede Moké a décidé de faire entrer Epepe Mangapi aussi. Un autre. Le centre, on va voir. Allez, Jackson Lunanga qui s'interpose et rapidement le dégagement. Allez, Mouita Pahi, encore lui, hein, Mouita Pahi. Qui est resté comme un défenseur central alors que le capitaine lui était allé chercher un but à la Ramos. Voilà, il faut avoir aussi des capitaines qui prennent des responsabilités comme ça. Et on était passé à 3-5-2, question aussi de gonfler le milieu du terrain de l'AS Dragon. Allez,
Pour l'instant, on le voit, ils sont, on va dire, un peu comme les Chinois. Hein. Ils respectent les consignes comme il faut. Ils sont très bien alignés en 4-4-2. C'est bien fait. Allez, il n'y a pas faute. Hein. Toujours pas de solution. Hein. Toujours pas de solution, hein, évidemment. Allez, Wakabo Fataka, qui se mêle un peu les pinceaux. Ce ballon qui était dans les airs. Allez, Munganga, plutôt. Il n'a pas fait la bonne passe. Il y a position litigieuse. Et le banc de l'AS Dragon Bilima est debout. Et Wadede Moké peut nous offrir le spectacle finalement. Cette position litigieuse. Hein. Alors que si on peut revoir le replay. C'est limite. On pouvait justement, avec un replay et avec une caméra opposée, comprendre s'il y avait hors-jeu. Mais voilà. Une décision difficile à avaler. Voilà, et ils s'en plaignent parce qu'ils sont limites, ils comprennent comment l'action évolue. Allez, Manzotti, la mauvaise prise de balle. Le long dégagement, la tête de Wango. Dans le ciel du stade Tata Raphaël, le ballon qui ne va pas retomber. Allez, il retombe cette fois-là. C'est bien fait, la bonne passe pour Francis. La frappe! Oh là là! Ce ballon qui est passé juste à côté du but de Moulumba, Francis Kazadi, encore lui. C'est incroyable. Ce joueur qui sait aussi bien gérer ce genre d'action, ben, il avait cette possibilité quand même de bien propulser ses ballons au fond de filet. Mais qu'est-ce qui s'est passé, on se demande. Et s'il a ouvert trop son pied, parce que voilà, moi j'imagine qu'il a joué avec son extérieur du pied. Et c'est un ballon qui n'est pas très bien caressé. Et quand vous jouez avec un extérieur du pied, il faut avoir un champ large pour vous permettre voilà, de pousser ce ballon. Mais quand vous le travaillez avec l'intérieur du pied, vous avez une possibilité d'avoir un champ, malgré large ou long, de pouvoir commander ce ballon, d'aller finir en pleine lucarne opposée ou voilà, dans le filet. Allez, le dégagement du capitaine, la faute. Hein. Il y a également un engagement excessif de la part de Francis, même s'il s'en plaint. Parce qu'il lui est rentré dedans, hein, parce que le dégagement du capitaine était aussi, on va dire, autoritaire. Et cet engagement, sorte de télescopage, le capitaine va rester encore sur la pelouse. Et l'AS Club qui commence à s'approcher petit à petit du but de l'AS Dragon. Ça sent un but dans quelques minutes. Et si Dragon se laisse emporter par la distraction, et surtout qu'il a décidé aussi d'attaquer l'AS Club. Voilà, il va falloir maintenant, hein, il faut vouloir maintenant se concentrer. On entre dans une zone, on va dire, je voulais dire interdite. Mais on entre quand même dans un moment très serré dans un match de football. Allez, Wakabo Fataka pour Singo. De l'extérieur du pied, ce ballon fouetté en direction du nouvel entrant Mbali. Allez, Mbali, dans le... C'est plutôt Epepe Mangapi, Epepe... Le 2-17. Voilà, le 2-17, voilà. Allez, Mouipataï qui manque. On va repartir dans le camp de l'AS Dragon avec cette prise de balle peut-être de Francis. Et le capitaine qui évite le corner. C'est plutôt Zakaria Moumouni. Le petit ballon de Francis. Il n'y a personne dans le paquet. Le gardien Moulumba s'interpose. Le dégagement. Un long dégagement certainement pour dégager aussi le camp. Hein, parce que pour l'instant, V-Club a décidé de faire un pressing haut et de s'imposer. Et la preuve, c'est que le camp et même les lignes de l'AS Dragon Bilima se dessinent très très bien. On voit deux lignes par quatre et puis une ligne de deux joueurs devant. Et ils le font comme ça depuis le début de la rencontre pour essayer d'être plus costaud et de ne pas avoir des lignes distendues. Allez, Claudie Ngonda dans le couloir gauche. Claudie qui tempère, qui trouve partenaire. Munganga, le centre, la tête! Ça y est, c'est fait! Et c'est lui, Francis Kazadi, qui inscrit finalement ce but qui tardait à venir. La tête de cocher, le ballon en plein lucarne. Un poison permanent à la défense de l'AS Dragon. Je le disais que ça sentait un but dans quelques minutes et c'est arrivé, puisque l'AS Club justement s'approcher petit à petit du but de l'AS Dragon. La célébration dans les travées, hein, des deux côtés notamment. On sent et on entend finalement le public qui se réveille. Hein, et il fallait finalement la montée de ce garçon. C'est un coaching payant de la part de Florent
qui a décidé de monter Francis Kazadi en début de seconde période pour apporter de la grinta, pour apporter cette hargne de vaincre dans le camp finalement de cette équipe de V-Club. Ça y est, c'est fait. Et c'est lui qui vient finalement sur ce petit ballon, cette louche du capitaine Nelson Munganga pour voilà, trouver la faille dans le but de l'AS Dragon Biliba. Pour l'instant, les Moscovites mènent 1-0. Et ça fait 12 buts pour Francis Kazadi, inarrêtable cette saison, qui veut à tout prix s'abattre sur n'importe quelle ligne défensive. Et cet après-midi, il a servi de Florent Ibengué de détonateur, justement pour donner le sourire aux intrépides supporters de l'AS V-Club. C'est bien fait, hein. C'est bien fait de la part de Francis Kazadi qui vient donner sourire, qui vient donner sourire à ses nombreux supporters qui se sont déplacés et à ses nombreux téléspectateurs qui sont en train de suivre cette affiche sur les télévisions partenaires à travers la République et dans le monde. Merci de le faire. Et ceci grâce bien sûr à l'agence Chris Production qui vous propose ce spectacle dans le rond central. Singa. Pour Mouipataï, Songozindo pour Mouipataï. Les ballons dans les pieds des monstres. Le capitaine Tchengue, Mouipataï qui contrôle, qui préfère jouer avec le gardien Moulumba. On va dire qu'il est aussi tétanisé le gardien. Il en fait aussi un mauvais dégagement. On dirait qu'il a perdu son autorité après avoir encaissé. Hein. Et surtout ses buts assassins. Hein. Coup de tête magistral de Francis Kazadi. Ça ne peut que déstabiliser le mental du portier. Francis Kazadi, un poison. Allez, Mandzukic, le centre en retrait. Le contrôle de la main qui n'est pas signalé. L'arbitre estime que la main a été collée. Et le long dégagement pour dégager les camps. La réception, c'est bien fait de la part de Omwele. En une touche pour Bofataka. La faute de Bindanda, plutôt de Munganga. Je veux dire, Moukoko Tonombe. Il y a corner. Tonombe qui se plaint, mais l'arbitre a tranché. Le libérateur pour l'instant de l'ASV Club se nomme Francis Kazadi. Le corner à venir. Allez, au point de pénalty, la tête de Moukoko Tonombe, lui qui a concédé le corner. La tête de Kosobola. Allez, Bofataka qui cherche un peu d'espace, la frappe. Ça, ce n'est pas une frappe pour inquiéter. Hein. Mais c'est quand Jackson même bien Lunaga. Essayé. C'est quand même bien essayé. Il manquait un peu de la fixation. Bien appuyé à sa frappe, mais c'était bien essayé. Allez, Jackson Lunanga, tu vas prendre un peu de temps. L'ASV Club n'a plus raison de se précipiter. Hein. On a vu à un certain moment qu'on ne voulait pas perdre une seule seconde dans son camp. Il fallait absolument ériger son quartier général dans la moitié de terrain de l'AS Dragon Bilima pour aller chercher ce but. Ce but est en venir. On le voit maintenant finalement que l'ASV Club est en train de préparer petit à petit ses assauts. À l'image de ses combinaisons, cette passe, on va dire, comme à l'académie. Et l'AS Dragon, en cas d'une défaite, restera bon dernier puisque l'Olympique Club Mungano est exclu de la Vodacom League 1. Le club a aligné 3 forfaits et tombe ainsi sous l'article 208, alinéa 3 de règlement généraux et sportifs de la Fédération Congolaise de Football Association qui stipule toute équipe qui encourt 3 forfaits pour absence sur le terrain au cours d'un même championnat est exclue d'office et donc il est relégué à la division 2 du championnat national. Malgré l'élection hein, du nouveau comité, Mungano hein, est exclu. Allez, ce centre, c'est bien fait au premier poteau. Ce pied, certainement, on va voir si ce sera un corner ou pas. Oui, encore un autre corner. Mungano exclu et va donc laisser la tâche à l'AS Dragon Bilima de tenir le bas de l'échelle. Allez, Bofataka, le centre au premier poteau. Deuxième personne à la retombée de cette balle. Allez, un 5,50 m pour les Moscovites qui peuvent reprendre le cours normal et aller chercher ce deuxième but. Ah, ça a été laborieux, ça a été très difficile hein, pour les hommes de Florent Ibengué de marquer ces buts. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué que l'ASV Club cet après-midi a placé
de bande noire au bras. Question d'honorer la mémoire de cette icône de football et aussi ce joueur qui a fait le bonheur de Vétlubien. Il s'agit simplement de ce grand légende, de cette grande légende, Ndaye Moulamba Dimoutumbula. Et ça se nomme Merci 9 pour ce record de 9 buts. Ndaye Moulamba, et d'ailleurs nous sommes en train d'attendre impatiemment l'organisation des funérailles de manière très officielle par la République. On pense également à celui qui a commenté aussi des rencontres du championnat national comme nous, c'est Papi Bassakissa, l'ancien professionnel de la radio-télévision nationale congolaise qui s'en est étalé. Et aujourd'hui c'est le 20 février, c'est le premier jour du reste de notre vie. S'il était en vie, il allait simplement célébrer son 52e anniversaire, hélas. Et voilà, nous sommes justement en train de commenter ce match en gardant une mémoire assez vive et ténace à l'endroit de tous ceux qui ont fait du bien au public, à la fois sur la pelouse et même dans le studio. C'est bien fait au Mouélé. Cette frappe en tout cas au ras de gazon qui oblige Jackson Lunanga à se déployer. C'est ça, finalement, quand un avant-centre n'arrive pas à se trouver une opportunité dans la surface. Ce n'est pas encore fini. Voilà, ce n'est pas encore fini, mais rapidement dégagé. Mais c'est bien fait de la part de Oumoulé. Alors, situation de contre-attaque en 1 contre 1. Francis Gazadi. Allez, il a été pressé. Il a vu que les gardiens avaient déjà momentanément libéré sa dernière ligne de fond. Il a voulu jouer par moment à la Zlatan, mais ce n'était pas très bien fixé. C'était à la précipitation, il a vu en retard son coéquipier qui justement lui servait de dédoublement. Il devait simplement attendre pour bien ajuster sa passe. Mais l'intention elle est tout de même belle. Allez, il y a eu contact cette fois. On va dire un coup de coude de la part de Mandzukic. À un certain moment invisible, César Mandzukic, qui ne s'est fait plus voir, pratiquement englouti par la défense de l'AS Dragon. Allez, la défense de l'AS Dragon qui engloutit Mandzukic, mais qui permet à Francis Gazadi de jouer et de marquer. Et qui a pratiquement trompé notre vigilance. Il a commencé son entrée sur les côtés, mais finalement qui commence à finir ce match dans l'axe central. Voilà, justement, la logique c'est celle-là. On joue en 4-4-2. On a deux joueurs comme avant-centre par moment, c'est-à-dire Francis Gazadi et César Mandzukic. Et il y a par moment des permutations. Et on a deux joueurs qui jouent sur un côté, c'est soit Zakaria Moumouni ou encore Fabrice Lombangoma. Mais du moins, on a une ligne de 4 et une autre ligne de 4 dans le milieu. Et deux joueurs comme avant-centre, notamment Francis Gazadi et César Mandzukic. Mais c'est quand même important que César Mandzukic comprenne que quand il a le temps de grappiller quelques minutes, il faut marquer, parce que le retour de Jean-Marc Makoussou-Moundélé le relègue plutôt de facto sur le banc de touche. Donc il faudra savoir progresser quand on bénéficie du temps des jeux. Ce n'est pas facile. Et même par moment, Francis Gazadi est titulaire comme avant-centre et Mandzukic est gardé sur le banc de touche. Donc c'est aussi un moment pour lui d'apprentissage, mais aussi pour apprendre et progresser. Ce coup franc à venir, on a déjà franchi. On est déjà en train d'attendre la 40e, peut-être une égalisation. Taille, le ballotier dévié. Oh là là, heureusement qu'il n'était pas allé jusqu'au premier poteau. Ce ballon dévié au dernier, on va dire, minute ou seconde. Je sens ces ouf de soulagement sur le banc de l'Est avec les ouf. Mais j'étais déjà dans le but, j'étais déjà dans le filet. Ce réflexe du jeune gardien Jackson Lunanga, ce ballon qui a été dévié par le mur de V-Club, c'était bien tiré de la part de ce joueur de l'AS Dragon Bilima, c'est Otey. Allez, une faute. 14 fautes au total pour l'AS Dragon. Et au côté de l'AS Club, on en a enregistré 9. Allez, l'AS Dragon qui continue encore à commettre des fautes pour arrêter, pour stopper net la machine. Attention, Zakaria Moumouni, le centre de Zakaria. L'interception nette, l'arrêt décisif, la parade de Moulumba qui oblige finalement Francis Gazadi à attendre très prochainement son deuxième but. Et c'est monstre de Francis Gazadi qui veut pratiquement
broyer l'AS Dragon, tuer les matchs, cet assassin qui est presque dans tout le ballon, eh bien, Francis Kazadi s'annonce déjà très dangereux dans le tout prochain jour. C'était bien fait de la part de Zakaria Moumouni, le centre au deuxième poteau. Il y avait comme preneur Francis Kazadi Kasengou. En tout cas, c'était bien fait hein, de sa part. Et il y avait aussi un gardien qui, cet après-midi, se révèle, Moulumba, d'un arrêt décisif. En tout cas, il refuse à Francis Kazadi un deuxième but, un doublé. Lui qui a inscrit d'ailleurs un doublé hein, le week-end dernier. Attention, c'est intéressant. Fabrice Luamba, le centre, roi de poteau. Il refuse que ce ballon sorte. Encore lui, un passement des jambes. Fabrice Luamba, cette fois pour Claudine Gonda. Le centre certainement dans le paquet, la tête du capitaine. Allez, Pépé. Le dégagement. Ce long dégagement pour Zouzi Makessé. Zouzi qui résiste. C'est bien fait pour l'instant, il doit chercher des partenaires. Mais il perd ce ballon. Ce ballon qui est mal donné. Matoka s'en sort. Et le long dégagement de Jackson Lulanga. Vous l'avez dit, le week-end dernier était donc vivant à Vodacom à Ligue 1. 4 doublés ont été enregistrés entre vendredi et dimanche. Tout a commencé les vendredis avec le football club à Saint-Éloi-Loupopo. C'est bien fait de la part de Omwele. C'est bien fait. Il trouve cette fois Nzouzi dans le dos de la défense. Nzouzi. Nzouzi qui résiste, qui cherche peut-être son pied de prédilection. Mais non. Allez, Bofataka. Bofataka a encore un geste de trop. Hein. Encore un geste de trop et il perd ce ballon finalement. On parlait de Saint-Éloi-Loupopo qui a battu l'AS Duki à Goma 2-0 grâce à Rodrigue Moutouma qui a signé le but de 2 buts de la rencontre. Le jour suivant, soit les samedis 16 février, Eric Cabré a porté son club à la victoire finale grâce à son doublé. C'était donc face au CS Don Bosco. 2 buts qui permettent au buteur patenté de Lubumbashi Sport de conserver sa place dans les top 5 de meilleurs buteurs du championnat. Et ce festival de doublé s'est poursuivi jusqu'à dimanche avec l'ASV Club. Et bien, c'est simplement ces monstres de Francis Kazadi Kasengou qui a doublé face à Sa Majesté Senga Balidi. Et Francis Kazadi qui s'est vu refuser le doublé par Moulumba. Encore un corner. Un corner pour la formation de l'ASV Club. On voit dans le tribune. Le président de la coordination de l'ASV Club, le général Amissi Tango qui est présent. On s'imagine également, il n'y a pas faute, on va repartir rapidement. Quelle mauvaise transmission. Alors que cette transmission pourrait être bénéfique à cette formation des Dragons Bilma qui est appelée à soigner sa relance proprement parce que ces gens de relance peuvent profiter. Zakaria Moumouni. À droite, petit ballon sur le capitaine Nelson. Il s'impose, grand gabarit. Il réussit quand même à donner à Zakaria. Et le but. Le deuxième, signé Francis Kazadi. On parlait tout à l'heure des doublés. Alors, eh bien oui, monsieur a signé son doublé cet après-midi. Ah bah, il conserve sa spirale de doublé. Francis Kazadi, monstre, on le dira cet après-midi. Il est venu simplement en cartouche empoisonnée pour pouvoir tuer tous les espoirs de l'AS Dragon. Allez, un doublé, un dimanche, un doublé, un mercredi. Francis Kazadi, finalement, c'est le roi des doublés. Hein. Et qui réluit au firmament dans ce royaume de buteurs devançant ainsi Ricky Toulengui, Jackson Mouleka qui avait aussi signé un doublé le dimanche dernier. Ça fait 13 buts, c'est pour l'instant lui le meilleur buteur de la Ligue Nationale de Football devant Eric Kaboué de Lubumbashi Sport, devant Ricky Toulengui, vous le disiez, devant notamment, on va dire, son coéquipier en club, Jean-Marc Makoussou Moundélé qui est très loin. L'équipe de l'AS Dragon Bilima au bord de l'implosion. Les 2 buts, en tout cas, laissent pantois le public et les supporters de l'AS Dragon Bilima qui n'en revient pas. Un après-midi infernal pour l'AS Dragon Bilima. Alors que cette équipe a proposé d'assez belles choses hein, cet après-midi, avant de voir finalement celui qui devait changer le cours normal de la rencontre. Entrer sur la pelouse, Francis Kazadi. Il a décidé du sort. Oh là là, quel régal de la part de Zakaria Moumouni. Encore une contre-attaque. Fabrice Luamba. On peut se régaler. On peut se régaler pour la beauté des yeux.
Oh là là, c'est bien fait la combinaison. On avance. Allez, il a manqué un tout petit peu. Hein. Il a manqué un tout petit peu d'ajuster sa passe. Allez, Omwele, cette fois peut-être pour adresser une passe. Hein. Le duel avec Wango. Wango qui résiste et qui a aussi l'ovation du public. Wango, il va falloir bien combiner. Allez, revenir pour trouver partenaire. Dragon épuisé, asphyxié de bout en bout par l'SV Club qui a fait sortir son grand jeu justement pour broyer cette équipe qui a rivalisé d'ardeur lors de la première période. L'AS Dragon Bilima qui s'écroule hein, comme un château des cartes en l'espace de 15 minutes. Cette formation est en train de perdre son affiche face à la formation des V-Club. Et on aura très rapidement notre temps additionnel, notre tasse de café. Ce sera 5 minutes. Hein, ah bah que nous c'est allons... de trop. C'est de trop, mais... On va tuer les dragons. La partie s'est arrêtée momentanément hein, plusieurs fois. Et il va falloir au moins 5 minutes. Et ces bus qui connaît une panne sèche, le bus placé devant le but de l'AS Dragon. Je le disais, il fallait absolument hein, que ce bus puisse manquer des batteries et des pneus. Mais ce bus, visiblement, on lui a donné des pneus, on lui a trouvé une batterie. Ce bus a bougé devant le but de la formation des Dragons Bilima. La preuve, c'est que les monstres sont menés 2-0. Et c'est lui qui est venu apporter les pneus neufs et une batterie neuve. C'est tout simplement Francis Kazadi Kasengou. Ah, pour déplacer ce but, hein, ce bus devant le but de l'AS Dragon Bilima. C'est lui finalement, on se demande, il les a eu où? Visiblement, ce sont des pièces rares. Parce que ces buts étaient aussi rares, hein, on va le dire comme ça. Et hein, la fête, on se régale dans les travées du côté de l'AS V Club. L'ambiance est totale, la fête, elle est belle. Puisque les Moscovites enchaînent encore une fois en championnat. C'est une belle victoire en tout cas. Elle a été laborieuse puisque V-Club vient de loin devant cette formation de l'AS Dragon Bilima, puisque lors de la mi-temps le score était de 0-0. Encore 5 minutes de temps additionnel, le coup franc rapidement joué. Allez, Zakaria Moumouni qui arme sa frappe. Aura en tout cas du gazon. Aucune inquiétude, Zakaria Moumouni, une passe décisive cet après-midi et une autre passe décisive le dimanche dernier. Voilà, Zakaria est en train de prendre une clé après une autre dans la grande maison de la formation des V-Club. Et il marque aussi ses emprunts indélébiles au sein de cette famille, respectant les consignes de Jean-Florent Ibengué, jouant aussi très bien la partition. Et surtout qu'aujourd'hui, il a régalé les amoureux du ballon rond et surtout le supporter de l'AS V-Club. Jackson Lunanga, Romato Kakwenge, Zakaria Moumouni dans le milieu de terrain. Allez, il trouve quand même partenaire. Munganga pour Zakaria. Munganga qui porte. Allez, Fabrice Luamba. La faute. Allez, on va assister aussi hein, à la montée certainement de Andy Bikoko, l'ancien de Sa Majesté Sangaba Lende. Lui qu'on attendait dans un autre club et qui a finalement signé au sein de l'ASV Club. Qui avait donc commencé au début de cette saison les entraînements avec le FC Renaissance du Congo, mais finalement il n'a pas joué. Eh bien on l'attendait aussi côté d'Harry Club Motema Pembe, ça n'a pas tenu, mais finalement il va, nous osons croire, à trouver une place au sein de la formation de l'ASV Club. Allez, vous ne tarderez pas en tout cas à voir Andy Bikoko sur la pelouse. Très bientôt, hein, il va monter, la faute encore, une faute de Nelson, le capitaine. Le passement des jambes, c'est bien fait. Mipataï, la combinaison, elle est trop longue, pas pour permettre à IPP Mangapi de se débrouiller. Et voilà la montée de Andy Bikoko en lieu et place de Mukoko Tonombe. Ses premières minutes et sa première apparition sous le maillot de la formation de l'Action Sportive Victoria Club. Encore une autre recrue hivernale. Et qui une va perle toucher, rare aussi. Une perle rare, justement, et qui va toucher son premier ballon. Le voilà, Andy Bikoko. C'est officiel. Il signe son premier ballon sous le maillot de l'ASV Club cet après-midi.
Alerdi Bikoko de la sérénité. On le voit, le long dégagement de Jackson Lunanga. Il fallait absolument le mettre dans le bain. Bikoko qui prend la place de Wango, qui permet à Wango justement de monter un tout petit peu d'un cran pour remplacer Moukoko Tonombe. Wango qui va retrouver finalement son poste de prédilection, celui de milieu de terrain, parce qu'il n'a fait que dépanner. Hein. Il n'a fait que dépanner puisque Padou Bompunga est sur le banc. Il n'y a pas de Bangala Litombo, il n'y a pas de Makweko Rudy, il n'y a pas non plus de Kalonji. Darle d'ailleurs qui est moins en vue. Et l'on ne tardera pas à connaître le sort de Kalonji puisqu'il y a de plus en plus de défenseurs centraux. Attention, allez, Andy Bikoko. Dans son show, il nous régale un tout petit peu hein, parce qu'il ne va pas jouer longtemps. Plus que 5 minutes, on est déjà en train de jouer la quatrième. Certainement, monsieur... On cherche simplement où accoster ses navires avec club. À bon port. Attention, Omwele qui se retourne, qui fixe. Oh là là. Le premier était intéressant, mais le deuxième, il n'a pas réussi. Allez, attention, Moulumba. Et non. Ce dégagement de Moulumba. En tout cas, je suis resté sur ma soif. Hein. Hein, le public n'est pas aussi content. Oui. Le public voulait voir ce qu'allait faire Moulumba, le gardien de but. Ça n'est fini. 2-0, la victoire elle est belle. Vita Club vient de loin. Et l'AS Club qui n'avait pas d'autre alternative cet après-midi que de battre l'AS Dragon et pour se retrouver à la pole position. Actuellement, premier provisoire dans ces classements du championnat national, totalisant ainsi 53 points. Eh bien, c'est bien.